Et chers les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous présenter des télés. Allez, place à l'intro. Et donc les amis, aujourd'hui je vais vous présenter du coup des télés. Comme vous pouvez le voir, déjà les panneaux ils vous disent de vous abonner sur la 3TV et mettre un pouce bleu aussi. Hein. Vous voyez bien, ils mettent beaucoup de pouces bleus, donc faut mettre des pouces bleus les amis. Donc voilà, donc là déjà nous avons une grosse télé. Voilà. Et ben on va dire bye bye à la télé. Allez, dégage. Voilà. Donc voilà les petites télés. Donc comme vous pouvez voir, déjà j'ai mis mon logo partout parce que du coup j'ai changé les textures des peintures. Donc oui, effectivement, ce sont des peintures. Donc voilà. Donc ça va être la base aujourd'hui de la vidéo. C'est vraiment les télés avec les peintures. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de designs différents de télé. Donc là il y en a que quelques-unes. Mais déjà vous utilisez ceux-là, ils sont déjà assez bien pour ce que vous pouvez faire dans le style classique. Donc nous avons pour le moment le côté moderne. Donc là ce sont tous les écrans plats en général. Il y en a quelques-uns là, mais voilà. Donc là ce sont vraiment les écrans plats. Donc comme vous pouvez voir, ils font une trappe d'or d'épaisseur avec une mating. Donc vraiment c'est très très fin. La plus fine, c'est celle-ci. Même si en vrai, non, c'est pas la plus fine, puisque du coup, elle est fait vraiment un bloc. Donc, du coup, là, en fait, j'ai mis des blocs barrières parce que sinon, ça éclate. Forcément. Donc, du coup, la 3TV, voilà. Donc, là, nous avons du coup la même avec des trappes d'or, du coup. Et comme vous pouvez voir, déjà, ça fait des télés vraiment assez réalistes. Hein. Bon, dans Minecraft, voilà, ça fait quand même 2 mètres hein, d'épaisseur, les télés, dans tous les cas. Donc, bon. On ne peut pas faire grand chose. Donc après nous avons celle-ci. Du coup. Donc du coup voilà, j'ai oublié de vous dire. Du coup celle-ci, ça fait 4 de haut par du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de large. Celle-ci, ce sont du 6 par 3. 5 par 4. Par 3 d'épaisseur. Par contre, celui-là, c'est vraiment la plus grosse. Donc voilà. Donc là, on dirait vraiment une télé qui est incrustée vraiment dans ce petit muret là. Donc, qui peut être utile en vrai si vous avez des petits designs comme ça. Vous avez un petit coin comme ça à perdre. De ce coin-là, en gros, dans votre maison, là, il y a un gros poteau. Bah, vous placez cette télé, ça peut très bien passer. Donc voilà pour ces écrans plats. Après, nous avons du coup celle-ci qui reprend vraiment cela hein, très clairement. Sauf que là, c'est des dalles du coup. Donc voilà avec le mur. Qui peut faire un style. Très franchement, qui peut faire un style. Donc du coup, après, nous avons du coup le mur avec la painting. Donc là, j'ai mis une 4x4, mais vous pouvez mettre n'importe laquelle. Bien évidemment. Passons aux télés de nos grands-mères. Donc voilà, donc avec la petite molette là pour gérer, la petite antenne pour recevoir et le petit j'aime à mettre en bas de la vidéo. Voilà. Maintenant, la petite télé un peu plus jeune. Quand même un peu plus de notre époque, on va dire ça comme ça, même si c'est plus ça maintenant de notre époque. Mais en gros des années 2000-2010. Donc voilà, avec toujours l'écran cathodique bizarre en bois. Plastique, mais en plastique, il n'y a pas dans Minecraft, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, bah, abonne-toi. Hein, abonne-toi à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, surtout si tu veux voir d'autres tutos comme ça peut être pratique. Du coup, avec toujours les petites antennes, avec les leviers. Donc il faut savoir que quand vous posez un levier, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Donc le levier se placera toujours en off derrière vous. Donc ça peut être très pratique à savoir. Puis après, du coup, nous avons les télés avec les chaînes ici intégrées. Ou pas. Ou pas. Donc du coup, là, nous avons un cadre pour vraiment enfoncer la télé. Donc le mur est tout continu, hein, mais juste pour faire un cadre. Ce que je vous conseillerais, du coup, c'est de le monter peut-être d'un cran. Je ne l'ai pas fait là, mais vous pourriez. Du coup, avec toujours la télé, enfin, la peinture de 2 par 4. Voilà. Donc. Et du coup, avec les CD pour faire les petites enceintes incrustées dans le mur, parce que franchement, on est riche. Donc voilà. Et du coup, là, bah, c'est à peu près le même design pour les deux qui sont là. Et du coup, bah, vous mettez vos notebooks sur les côtés, des blocs noirs de préférence, derrière avec
votre painting et des escaliers de n'importe quel style, hein, ça peut être du bois, de la cobble, tout ce que vous voulez. Et du coup, bah, pour finir celle-ci avec du coup les chaînes ici qui sont déportées du truc. Mais comme vous pouvez voir, il y a des barrières en fer. Alors par défaut, les barrières en fer, bah, ils sont au plat, ils sont à l'horizontale. Alors comment j'ai fait? Bah, comme la télé est incrustée contre le mur, j'ai mis des leviers derrière. Ça marche. Je vais pas me plaindre. Donc voilà. Donc du coup, toujours le même principe, hein, avec du coup les petites télés qui sont là. Et puis c'est tout. Donc après cette petite courte pause où je me suis placé pour faire l'outro de cette vidéo, parce que effectivement, c'est déjà la fin. Du coup, j'ai juste à vous dire mettre un like, ça fait toujours plaisir. Partager, commenter. Essayez de donner des idées si vous voulez voir des petites idées de vidéos à l'avenir. De vous abonner, ça vous permettra de découvrir plus de choses sur Minecraft. Et bien sûr, n'oubliez pas, le build, c'est bien, et à la prochaine!